je place mes... Tu places tout. Mes IG. C'est bon. Peu importe qui est qui, ils ont les capacités des deux. Donc. Et ça par contre, parce que je n'ai qu'un gros simple. Bon. Là, je suis bon. Voilà. C'est parti. Tout à fait. Je te remplis ton verre. Inséré, suivi la boost. La boost. Et donc, Eved. C'est le canon et l'Eved, c'est ça? Le canon et l'Eved? Les deux pilotes. Non, c'est celui qui fait des Coriogan avec ça, au lieu de ça. D'accord. Pour une fois, qui fait ou qui peut faire? Vous pouvez exécuter, donc j'ai la possibilité de le faire avec le 3 serré ou avec le 3 normal. Je ne pousse pas les limites. Là. Pousse. Et j'étais en train de me dire, j'ai encore touché une main. Non, non, c'est la poutre. À toi. Donc le 8 est derrière et les deux 7 sont devant, c'est ça? Voilà. C'est logique. Oui, oui, tout à fait. Je vais faire les actions après. Est-ce que ça vaut la peine? C'est quoi déjà sa capacité à lui? Attention, on a reçu un marqueur. D'accélération du tenant. Ah, d'accord, c'est sympa. Mais j'ai une accélération d'accélération gratuite parce que j'ai fait un focus. Verte. Un focus? Ça va être qui ça? Jack Farrell. C'est celui qui veut dire ça. Une action de concentration ou reçu à ma concentration, vous pouvez exécuter une accélération ou de tenue. Voilà. Tico, il fait 3. Et il va faire un boost. Phase de combat. C'est ce que je pensais. Et lui. Ok.
j'ai fait te demander de venir avec ton autre tapis, mais à la limite demain, viens avec pas celui d'étoile noire, l'autre. Je parle de genre quoi. Parce que j'ai un copain qui est venu avec un tapis rouge et bleu. Le fin. Alors, Bibi. Ça, suivi d'un boost. Et qu'est-ce que je fais d'autre? C'est tout. Un, deux. Suivi d'un boost. Ouais, ça passe. J'en doute. Ah oui. Et focus, donc stress. À toi. Bon, une Jack Farrell, je ne sais pas si ça va passer. Ton calculateur, non, ça ne passe pas. La vie à poker pour moi. Pas d'action. Ouais. Mais je suis en train de réfléchir à Tico, qui était malheureusement tout loin, donc il va aussi poke. De toute façon, c'est au 7 de bouger la porte. Oui, c'est au 7. Il a pas mal du cran, mais... Non. Hein? J'avais pas assez de points. Du coup... Non, il m'a poké. Passe pas. Non, il va poké droite, en fait. Phase de tir. D'abord... Tico. Ouais. Il peut tirer que dans les deux. Non, il peut tirer dans les deux, Tico. Ah oui, il peut te faire. Il peut tirer. J'ai quand même tiré. C'est de la 2, ça. C'est de la 3. En plus, je vais tirer sur lui avec Tico. Trois tirs. Trois ou quatre. C'est quel bouclier, ça vaut pas la peine de se stresser. Est-ce qu'il a un petit 1 tout droit pour me déstresser après? C'est en train de te poursuivre. Ou un seul, un petit 1 léger suffirait. Je vais regarder la totalité des manœuvres vertes. Il n'y en a pas beaucoup sur le groupe, je crois qu'il y en a 4. Hein. Oui. Le 1 tout droit, le 2 tout droit bon, et ben, le 1 sur les côtés. J'attaque celui qui a porté 1. Celui-là? Ok. Avec 3 ans. Ce truc est dégueulasse. Oui, mais c'est 4 points aussi. Oui, mais c'est dégueulasse. Ouais. T'es 2 7 de tirer. Alors, lui est à portée 2 normalement. Oui. Donc, pas d'autotruster, c'est pas d'autotruster. Ok. 2 tirs. Ou 3 si tu stresses, hein, alors ça.
Quoique non, c'est au début de la phase de combat. Hein. Non. Quand un autre vaisseau allié a porté 1-3 attaque, si vous n'avez aucun marqueur de stress. Ah ouais, donc c'est quand tu veux. Ouais. 3 petits. Donc du bleu dans celui-ci alors. Bah, ouais. Super. Jeanne Ors. Ça va être de la portée. Attends. Lui il est à 1 ou à 2? Il est à 1, donc je vais pas tirer sur lui. Je vais tirer sur lui à 3, mais avec une petite tourette. Ouais, j'ai 2D en plus. 3D, pardon. Mmh. Et, je peux pas utiliser... Et là, je peux utiliser mon teleporteur. Okay. Super. Tu dépenses ton focus ou quoi? Ouais. TLT. Focus ou pas focus? Je focus, mais c'est à... C'est maintenant que je dois changer un dégât, moi, honnêtement. Focus. Non, ça va, normal. De deux, je vais pas... Donc, moi, j'ai toujours que 3D. Mmh. Et sérieux. Alors, IG, le premier, tire 4 fois. Dans le 8. Couvert. Ah, t'as oublié de mettre des boucliers, moi aussi. Il s'est déjà entamé, non? Ça me fait mal. Alors, le premier est anti-co, parce qu'il n'y a pas d'autre. De toute façon, hein, je sais pas. Non. Ok. Ah, j'ai pas de focus avec lui. Donc, un dégât. Lui, 3 tirs au mangler, donc pas de dé supplémentaire. Focus. Toujours sur Tico. Hein. Ouais, sur Tico, oui. Autothruster. Donc tu prends un dégât, critique. Tu un pied. À toi. Okay. Ah, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est donc. Tu peux déposer sur mes sacs, ça va retenir. Mais ça stresse. D'accord. Qui regarde mes cadres de modèle. En plus, ça va être du Wing que tu as regardé. Ouais, mais ça ne changerait rien, de toute façon. Je déstresse. Parce que manœuvre inverse. Et je vais faire. Focus. Je pousse les limites ou pas? Je sais pas où tu vas aller, moi, t'es saloperie. Tu sais pas. Oui. Bah, je vais faire un target lock.
Je stresse. J'ai envie de changer le cadran parce que tu l'as regardé et ça change. Moi, j'ai pas vu la manœuvre. J'ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas vu. Bon. V7. Jack Farrell, qui a quasiment pas bougé. Parce que t'as pas fait de. T'as pas fait ce que je pense. Que tu pensais que j'allais faire t'es... Non, parce que t'as regardé. T'as pas fait de boost parce que t'as vu. Non, j'ai pas vu ta manœuvre. Honnêtement, j'ai pas vu ta manœuvre. J'aurais pas fait un boost ici, j'allais rentrer dans les tiens. J'ai fait un boost, j'allais pas tirer. Un boost léger, tu venais ici. Ouais, mais si je fais ça, j'ai plus d'arrêt de tir. J'ai aucun intérêt à faire un boost. Si je fais un boost par là, je tire sur quoi, moi, après? J'ai pas de tourelle. Hein. Tu vas pas tirer là non plus, hein. Avec lui, mais j'en doute. Enfin, sur lui, mais j'en doute. Ouais. Non, tu tireras pas sur lui non plus. Donc, ça, c'est vert. Il va nous faire deux focus. Et il reste Tico qui, normalement, passe de l'autre côté. Ouais. Non, ça passe pas. Oui, oui, si, si. C'est juste c'est un peu délicat. Ça doit le mettre là, contre la puce ici. C'est pas tout à fait dans la, contre la puce. Juste. Allez. Attends, moi j'étais stressé et j'avais quoi avec? Donc un target lock sur lui et un focus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais me contenter de faire. Focus. Ok, phase de tir, ton 8 n'a pas de cible, ton 7 ne peut pas tirer, et ce même nom. Si. Si. Ah oui, celui-là, oui, TLT, juste. On va à distance 2. Ouais. Parfait. Donc, je vais tirer avec la TLT sur lui. Bien. Okay. J'ai mon autocrafter. 3 éveils. T'as pas ton autocrafter. Pourquoi? Je suis au-delà de la portée 1. Et ah oui, t'es hors de mon arc de tir, ça oui. Mais j'ai fait 3 éveils. Et c'est au-delà de la portée 2. Pas de la... Ah oui, 2. Deuxième tir. T'es hors de l'arc de tir, donc ça c'est là. Focus. C'est un focus en moi. Mais en même temps. Ouais, il servira à rien. Il servira à rien, lui ne tirera pas. Il n'y a que l'IG derrière qui peut tirer. Mais à quelle portée? Est-ce qu'il y en a qui est déjà en temps? Mais Tico, lui, il est trop loin. Tu peux, portée 3. Ouais, portée 3, t'as des défenses en plus. Tu fais 4, c'est beaucoup. Que lui. Pas si tu utilises ton canon. Ah ouais. Ça a 2 points de coque, c'est bon. Ouais, je vais tirer. Le hawk m'énerve, mais honnêtement, je pense pas que le hawk soit dans mon arc. Non, il doit pas. Oh, il veut bien. Il est déjà en face. Oui, t'es comme ça. Ouais. Là, tu l'as mis contre l'astéro, il était à côté. Ouais. Et de ce que je pense, il est juste à côté, comme ça. Ouais. Donc je tire, bah j'ai pas le choix, c'est soit lui. Comme je tire au mangler, je vais tirer l'antico. Ah ouais, mais là,
truc, il a un focus. Il a un focus. Mais il a plus que 3 fois de vie. Mais il a plus que 3 fois de vie. Que l'autre. Je tirais quand même 3 fois dedans seulement, parce que je suis au-delà de la 1 ici. Dans toute sa sérité, je crois que Jack Fall est meilleur que. Enfin. Ouais, et en plus, lui n'aura pas son autotruster que lui bien. Donc je tire là-dedans. 3 fois moins de 2. Un crit, ouais. Et ben, du tout. Donc, ça va faire un bouclier. Mais dès de défense, aujourd'hui, il existe. Aussi existant que. Que mes victoires ces derniers temps. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi ? Oui. Je vérifiais juste qu'ils étaient bien parallèles, ils sont bien parallèles, tes deux sujets. On les a bien remis. On va bouger ton stock parce que sinon on ne va pas y arriver. Tu ne bouges pas en fait. Ouais. Il n'y a pas moyen que tu te mettes entre les deux. Non, donc je garde mon stress. Et de toute façon, on ne dit pas d'action. Il fait un corde. Tu as été choisi à une couleur proche de la même quand même. Juste un peu plus foncé. J'ai pas vraiment choisi, il me fallait l'ensemble des deux dans la même couleur. Moi je voulais bleu, mais bleu il n'y avait plus l'ensemble des deux trucs parce que c'est deux sets, le set des gabarits et le set des distances. Alors, comme action. Distance, ça peut être utile, mais bon. Je préfère avoir un officiel. Parce que déjà au dernier tournoi que j'ai fait, t'as fait un joueur, il était là. Ah, mais ton vaisseau il est dans mon arc de tir, regarde, il est 1 mm, mais il y est. Je prends ça à date. La mienne, la tienne fait 2 mm de plus que la mienne. Et on va juste faire focus. À toi. Donc, on va commencer par le hook qui est plus facile à bouger. C'est un magnifique 1 tout droit. Pour pas son stress. Il n'y a pas de stress. Ah, mais il va pas stresser cette fois-ci. Je me demande si le 1 m'aurait amené là où je voulais. Le 1 ne me faisait pas dépasser. Voilà. Non. Attends, ça c'est
creux. Donc lui, il va essayer de passer de l'autre côté. Ouais, à mon avis, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être un bitlock? J'hésite. Je vais faire un target lock. Voilà. Et Pico, je croyais franchement pas que tu ferais ça comme mouvement. Du coup, il a fait carapatage. Tiens, un petit pote, je m'en vais. Et là, il est hors portée de tir. Non. Certainement pas. Non. Ah oui, c'est un petit slack. Mais pas d'action. Si, vous pouvez effectuer des actions même quand vous avez des marqueurs de stress. Ah, d'accord. Donc, je vais faire un focus. Ah, attends. Non, là je suis à portée 3. Et si je me rapproche, je ne serai plus à portée 3. Mais tu n'auras pas pour autant l'arc de tir avec lui. Je vais faire un boost. Ok, phase de tir. Phase de tir, Tico, portée 2. Ouais, 3 tirs. 3 dés seulement. Ouais, je vais le faire. S'il est à portée. Il n'est pas à portée. Non, là, la blisse pilote les deux. Pilote les deux. Je vais faire un boost comme ça. Et t'aurais toujours été dans mon arc de tir, dans l'arc de tir, mais. Donc. Ouais, c'est bien à 3, il n'y a pas de limité, il ne fait que 2G. Ok. 3 focus, 3 focus. Oh, 2 secondes. T'as dit, ouais, parce que la manœuvre est probable. Et non, il n'y a pas d'autre stuff, ça a changé à ta. Lancé 3D, c'était 3 bras. Donc ça change. Ouais, je vais quand même le lancer. Ça change un petit peu. Bah, tu me dis de modifier un truc. Ouais, non. Alors à ce moment-là, je prends. Vu que tu as eu 3 blancs, ça change strictement rien. T'enlever un dé et te le forcer à relancer améliore tes chances d'esquiver, tu vois. Allez, je suis pas là. C'est comme ça. C'est le C. Et ouais. Le Toothruster, non, il n'y a pas de Toothruster avec la portée du. Là, Horse va tirer portée 2 normalement sur lui. Ouais. Là, t'as l'autre truc. J'ai pas encore l'habitude de cette amélioration là en fait. Bah, je vais focus. Hein. J'en vais en faire un bouclier. Parce que j'ai qu'un seul dé. Parce que j'ai pas de focus. Mmh. Et la modification de tes dés, c'est. Avant, enfin, au lors du premier jeu. Je peux pas modifier ce dé là maintenant. Oui. Après que l'ai jeté, effectué, ouais. Mais avant la modification. Sinon, ça serait juste. Juste beaucoup trop abusé. Déjà ici, c'est déjà pas mal. Bah. Focus, là. Ah, mais j'avais l'autothruster, moi, sur le premier jet, par contre. Donc, je perds pas de bouclier. Il a fait un évêque et un blanc. Ah. Je croyais que tu avais modifié le dé. Je n'avais pas regardé. Ah bah, un évêque et un blanc. Tu me disais 3 focus, 3 focus. Donc là, 2 évêques. Non. Quand même, Jérémy, t'as pas de tir. Il aurait été apporté s'il y avait une tourelle. Ça, ce serait trop pété pour déliger une tourelle. J'attends de voir le jour où ils sortent un vaisseau. Qui a une tourelle et qui a le boost. Ça serait monstrueux.
Il y a moyen de le faire, mais ça coûte en points. Oui, mais il faut le boost en natif pour avoir le. Ah ouais, l'autre prestataire. Ça, ce sera un vaisseau à 50 points de base. Avec 4 dés de défense. Là, c'est 60 points. Pas fait ça, donc j'ai pas besoin de faire c'est pas possible. Ça. C'est bon. Attends. Commence par lui. Ça stresse. Honnêtement, j'aurais pas fait celui-là. Tu te serais trouvé comme ça. Ouais. T'avais pas l'astéro pour te gêner au tour suivant. Tu pouvais même faire un petit tout droit. Mais tu avais quand même un bel arc de tir sur la zone. Ouais, mais je préférais tenter. Je me dis, j'ai pris ce vaisseau-là, mais je vais essayer ce manœuvre-là. Tu fais quoi là? Deux, c'est. Ouais, il aime bien perdre le token, lui. Voilà. Et pas d'action, parce que stress. Tout à fait. Donc, le Hawk fait 2 légers pour aller sortir de ton arc de tir. Ah non. Non, il ne sortira pas. Dommage. Comme une missile pour une fois, non? Le 1, c'est. Ouais, c'est B. C'est une majeure tir, une tournée. C'était probablement un A à la base. Ouais, ouais. Et comme il est tombé 36 fois. Hop. Alors, Jack Farrell fait 3 séries qui est là-bas. Hop. Hop. Alors, il va faire un focus. Qui lui permet de faire un boost gratos. Donc je vais d'abord essayer le léger. On ne voit pas ça. T'as vu la taille de mes sauts, et moi ça reste dessus. est-ce que je fais une autre action? Non, je ne fais pas d'autre action. Je ne vois pas les élites aussi. C'est juste. Ouais, c'est très bien. Lui, faire 4 tout droit. Hop. Il le perd, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'astéro, je vais faire un barrel roll bon. Et pêche de limite focus. Ah oui, donc portée 1. Il est à portée 1, ouais. Je vais
donner un stress à notre ami jeune horse pour qu'il ait 4 dés d'attaque. Est-ce que j'ai une autre façon ou pas? Je suis hors de leur tir. Non. Non, oui, pardon. Oui. Donc, quand je te tire dessus avec un homing, t'es jamais hors dehors de mon arc de tir. Je perds le pied sur le 37. Voilà. C'est pas très worth it, mais bon. C'est pas grave. Allez. Jeanne Horst va tirer aucune laser turrette sur la même cible. Là, t'as l'autotroster. Je suis hors de ton arc de tir, c'est vrai. Ok. Donc, tumble. Deuxième tir. Et je focus. Hop. Et je prends un dégât alors. Ça, oui, c'est tout à fait. À moi. Alors, celui-là, trois tirs dans le hawk. On vérifie quand même l'arc de tir, mais normalement c'est bon. Voilà. Ouais. C'est de la 2. Quoi qu'il en soit, ça serait de la 2. Arc de tir ou pas arc de tir. Target lock. Deux clics. Je perds le bouclier. Alors, avec lui, il doit y être. Là, je suis dessus. Là, je suis dessus. Il est plus de la 3. Sans... T'as 4 dés de défense, t'as pas la 0. Non, t'as pas de dés de défense en plus, parce que je tire au canon d'angleur. 2 dégâts. Oh putain, l'autotruster, sérieux! Je suis à 3, je peux pas utiliser l'autotraster. Ah oui, juste que les blancs. Bah donc tu annules le crit, le dégât normal, et tu prends un crit qui annule le bouclier. J'ai une veine avec les dés. Alors ça on peut enlever. Ça aussi. J'aurais été un tout petit peu moins loin ici. Genre. 1 mm plus en arrière, en faisant 1 cm plus en arrière, je faisais pas le barrel roll parce que j'avais l'astéro. Et j'avais la portée 3. Mais bon. J'ai pas de veine. De chez pas de veine. Il y a que celui-là qui aurait pu endommager. Ouais. Parce que tu utilises les stats, donc du coup j'arrive pas à les compter. C'est bon pour toi? Ouais. J'aurais mis plutôt à gauche qu'à l'un qu'on arrive, mais bon. Si tu changes l'ordre là. Voilà. Et comme action, target lock. Focus. Stress. Oui. Tu l'avais dit. Ouais, tant pis, je perds le stress.
Je ne tirerai pas sur C, elle est D. Pas du tout. Ça te dit D. À toi. Lui fait deux tout droit, ce qui ne change pas grand chose. T'as juste pas le dé de bonus de distance 1. Donc, je vais focus. Du coup, je fais un boost gratuit. Hop. Et je pêche des limites pour faire un barrel roll. C'est mobile, là, ces petits trucs. Aussi mobile qu'un IG, mais avec la taille en moins. Yep. Et lui, je crois qu'il a pas que lui. Ouais. Mais il est stress. Il est stress. En même temps, un petit coup qui déstresse. Ouais, il s'en fout de stresser. Pratiquement. Il peut juste plus faire de choréogramme quand il est stressé. Donc tu déstresses, donc tu arrêtes. Phase de tir. Phase de tir. Oui. Non. D2, non. Est-ce que il se l'est apporté? Oui, il est apporté. Donc, Jeanne Horst stresse pour donner 1 dé à lui. Tu n'as plus que 2 dés parce que je suis en dehors de ton arc de tir. Et j'ai pas un dé pour l'aspiro. Non, plus court, il passe. Et est-ce que j'ai la portée A? J'ai la portée A, donc j'ai 4 dés. Vas-y, Farel, vas-y, Farel. Oh, attends. Avant. C'est avant ta modification, normalement. Ah non, non, non. C'est le target lock, c'est sur l'autre. Donc, je me contente du focus. J'ai vu le target lock, je me suis dit, il faut d'abord que je relance les dés. Et puis, je me suis dit, merde, c'est pas ça. Bon. Deux élèves, je prends un dégât, c'est 42, c'est pas grave, bouclier. Et là, de nouveau, pas de tétraster. Yep. Lui, lui. Là, j'ai 3D et autotraster. Oui. Portée 2, 3D. Ah oui, pardon, c'est à moi d'attaquer d'abord. Là, tu me laver, hein. Vas-y. Je préfère garder un focus. Annulé. Tu peux pas. Pourquoi? J'ai un focus. Ah, tu peux utiliser, oui. Tu peux cramer le focus. Je vais pas prendre les dégâts. Crame le focus. Je croyais que tu voulais utiliser l'autotraster. Non, non, non. Ferme le focus. Alors maintenant, tire trois fois. Dans le hook. Au canon. Dans le glaive. Donc je change celui-là en crypt. Attends. Target lock. Et je change un autre crypt. Focus. Okay, ouais, j'ai bien fait de ne pas utiliser focus sur le premier. Ouais. Donc,
Voilà. Ça change légèrement l'angle, c'est pas grand chose, mais bon. Accélération. Donc, éveil. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un initial dumpner là? Qu'est-ce qu'on va faire? Focus. De le suivre, il fait chier, j'arrive pas à faire mon accélération, donc je perds mon stress. Tu peux faire un direct. Je fais comme ici. Je vais en faire qu'une autre façon. Tu peux faire focus et veille, c'est possible. Ouais, focus et veille, ça me stresse. Je vais faire ça. Focus. Ça se peut. Target lock, je vais y arriver. Et accessoirement, je crois que tu préfères avoir le. Ouais, le focus 2 pour toi. Et stress, du coup. À toi. Donc d'abord les 7. Oui, c'est vrai. C'est... Je sais pas pourquoi je me disais c'est Jack. Non, c'est lui, Jack. Vas-y, Jack. Tu connais le film Hook? J'ai vu, mais il y a longtemps. Je suis en train de repenser à la chanson qu'ils font pour le gosse. Vas-y, Jack, t'es le meilleur. Je target lock, c'est ici. Mm-hmm. Puis je fais un focus. D'abord le focus. Je fais le focus, ce qui me permet de faire un boost. Ah ouais, parce que si tu fais dans l'autre sens, le stress de stresser ne te permet de pas de faire le boost. Ouais. Voilà, et maintenant je fais le target lock. Et du stress. Oui, le stress. Voilà, le 7 ici. Le 7 qui est là, je vais faire un pas léger. Vas-y. Garde ça, et j'imagine double focus. Oui. Donc, Tico. Tico, il va nous faire target focus, enfin focus target, même chose. Il dit GG, phase de tir. Donc notre ami Tico va tirer à 4D. Donc elle se stresse alors. Voilà, il faut que je refasse notre AV. Voilà, donc je tire à 4 dés et t'as 2 dés de défense. Parce que j'ai l'autre manœuvre. Tu te dis que je vais l'utiliser. Ouais, mais bon, tu le dépenses comme ça. Ouais, mais de toute façon, je n'ai pas dans l'armée de tir de ce bonhomme. Donc, voilà. 4 dégâts. C'est lequel? C'est le 37. Ouais, t'as le focus si tu veux. Moi je vais pas m'en annuler un. Et j'en prends 3. Donc je perds un bouclier. Et 2 de coq. Et 2 dégâts. Ah lui, oui. Je vais commencer par Jack Farrell. Normalement il a porté A. Yep. T'as que 2 dés. Quoi, lui aussi là? Oui. Transformer des Amings en Wedge Antilles. Ouais, c'est quasiment ça, ouais.
La condition de derrière. Mais ouais, gentillesse derrière avec ça, c'est vraiment le. Target lock. Focus. Mais ouais, gentillesse, ça a le défaut de ne pas avoir le boost. Alors, il y a 3 dégâts. Donc, focus pour un, token pour l'autre. Et autre roster, ça marche pas. Un dégât dans le 42. Hop. Voilà. Moi j'ai plus de focus. Token. C'est nul. Alors lui. Non. Lui. Ah ouais. Alors. Lui il a deux boucliers et lui il en a plus et il a deux dégâts, mais seulement il a l'autotruster si je lui tire dessus. Alors que l'autre pas. J'évite. Je te ferai jamais 2 dégâts avec l'autotraster et 3 de défense. Jamais. J'en suis quasiment convaincu. Donc je vais tirer sur lui. Donc j'ai juste le 3 de défense. Hein. Voilà. J'utilise un focus. Et là j'ai. Ah putain. Oh, à moi. TV de l'attaque qui aurait dû toucher, t'es touché par l'attaque qui aurait dû rater. Quoi. Donc 3D au canon mangler ici dedans. Yes. Pour lui. Target lock. Canon mangler, un clip. Je le trouve. Deux David. Donc tu prends le critique. Oui, mon deck de crit. Mon deck de crit. Après avoir exécuté une manœuvre, si vous touchez un autre vaisseau ou si vous chevauchez un marqueur obstacle, ok, c'est à dégâts. Lui, 3 tirs. Non, haut toujours. Un dégât. Change d'avis pour lui. Voilà. Lui. Alors, stress. Et il va faire focus. Focus. C'est tout. Ok. Focus. À toi.
Donc, on va commencer par. Peu importe, lui il va poke, je pense. Ouais, moi qui prends les gars. Je pensais que tu irais carrément contre, tu vois. Non, pas besoin. Hein. On va aller reculer un petit peu. Bon, il va poker. Ici. Là, rien va plus loin. Voilà. Hop. Mais il perd son stress. C'est pas grave. Il aura fait son boulot. Ah, il fera des dégâts aussi, c'est ça? Ouais. Jack Farrell. Qui fait 2 serrés. Il va faire focus, non boost, non, je peux faire barrel roll. Ah bon. C'est après avoir effectué une action de concentration ou reçu un marqueur de concentration, vous pouvez effectuer une action gratuite d'accélération ou de tenue. Ce qui accessoirement veut dire que si j'avais mis Calcatarn et que je refile focus après, je peux faire tonneau et boost et focus et evade et j'ai 2 focus et des trucs monstrueux. Je push de limite pour target lock. Voilà. Lui, il va perdre son stress parce qu'il fait une manœuvre verte. Voilà. Oui. On va pas comme ça. Je risquerai de rentrer dans l'arc de tir. Voilà. Hop. Voilà. Et focus. Et stress. Pas très grave. Donc, phase de tir. Ouais. Notre ami Tico tire à portée A sur ton IG. Mm-hmm. Donc, il a 3D et tu as 2D de défense. Et je vais laisser le Gun Horse pour Jack Farrell qui a le target lock. Oh sérieux? Oui. Bon. Les 7 maintenant. Hop. Cette fois j'ai 4 dés et t'as toujours 2 dés. Target lock. Focus. C'est 42. Donc je prends le normal et deux crits. Si ça double coup au but, je rigole. Non. On a quand même exécuté une blanche pour ce marqueur de stress et un coup au but. Donc il me reste un point de coque sur celui-là. Alors lui. Ouais, je peux pas attaquer avec le hook, malheureusement. Je vais tirer 4 fois dans le hook. Allez. 2 dégâts. Allez, Oki! Boum boum. Il a fait son boulot. Enfin, elle. Vu que j'aime bien utiliser le féminin quand c'est un perso féminin. J'ai plus de bouchoir. T'aurais pas bout de rien.
J'avais bien aimé mais à Wing avec Wiman, c'était marrant. Mais je trouve le Hawk Maneuver tellement bien. Parce qu'ils ont le boost et le barrel. Alors lui il fait un comme ça. Attends. Non, ils n'ont pas le barrel roll natif, c'est juste Jack Forêt qui a le barrel roll. Bon, c'est pas avec Jack Forêt qui a fait des barrel roll. Ou pas. J'ai fait une erreur. Quand mon Arwing était ici, quand Tico était ici, il a fait un barrel roll. Pas d'action. Lui. Ça n'aurait pas changé grand chose. Parce qu'il n'avait pas touché en plus quand il avait attaqué là. Tu l'as un peu beaucoup bougé, donc j'ai du mal à lire. Mais celui-là, il est mieux. Non. Regarde bien. Regarde de plus près. Bon, ben, c'est... Attends, on va le remettre à sa place. Il passe, hein. Il passe de l'autre côté, mais il y avait un micro-millimètre de dehors. Maintenant il n'y est plus, ça bouge tellement. Bah ça stresse. T'as un demi-tour? Oui, oui. Ok. Parce que j'en ai marre de ne pas être dans les arcs de tir. Oui, je comprends. Donc Jack Farrell fait un 2 tout droit, vert, donc il déstresse. Mouvement 2. Il va nous faire un petit focus. Alors, est-ce qu'il peut faire comme ça? Non. Dans l'autre sens, ça ne va plus. Tout droit, ça m'étonne. Passe pas mal. Ça se mesure. Attends, j'ai un socle vide. Non, il touche. Il passe pas. T'es obligé de faire un barrel? Non. Après avoir effectué une action de concentration ou reçu un marqueur de concentration, vous pouvez. Donc je ne le fais pas. De toute manière. Limite. Bon, je vais push de limite, target lock. Tico qui voulait faire deux serrés et qui va pas pouvoir le faire. Voilà. Bon, pas bien chaud là, les IG, 3 dégâts chacun. Oh oui. Hop. Son stress.
Focus Evel. Là, c'est leur dernière action. On revient après, ils sont prêts. Ouais. Donc, Jack Farrell veut faire deux séries. Le problème, c'est que du coup, il a de la place nulle part. Donc, peut-être que. T'as un petit socle? Non, oui, c'est se mettre entre les deux, je crois. Non. Non, il ne sait pas. Hein, peut-être ici. C'est là, comme ça, ouais. Là, il est vraiment coincé entre les deux, quoi. Il t'aurait plus comme ceci. Un peu moins, il me semble. Non, je pense que c'est correct. Non, mais il était personne. Presque comme ça, mon truc. Voilà. Bon, il perd le stress, il n'est pas en dehors de l'arc de tir. Enfin, il n'est pas dans l'arc de tir, ça c'est bon. Et lui, à serré, il passe pas du tout. Il a poké directement contre le tir. Voilà. GG, c'était lui. Mais tu ne pourras pas l'utiliser contre lui. Voilà. Donc Tico va tirer à portée A. Oh, est-ce qu'il a un arc de tir? Non. Oui, mais lui il a deux tokens et l'autre il n'a rien du tout. Et aucun des deux n'a un arc de tir. Il va tirer sur celui qui n'a pas de token. 2D. Moi j'ai pas de tir. Donc lui il est stressé parce qu'il a fait focuser. Ouais. Ça va être un beau bordel, le dernier mouvement. C'est pas un qui déstresse. Ah mais tu poques. Je vais mettre deux tout droit derrière. Attends, sous les lèvres. Merde, j'ai un peu beaucoup poussé. Voilà. Il faudrait quasiment mettre un devant aussi, quoi. Oui. Un tout petit peu plus devant, tu dois toucher quand même ton vaisseau. Voilà. Pas d'action. Attends, je vais peut-être en avoir peu, non, faire deux serrés. Il ne bouge pas. Au pire. Ouais, non, bah, à partir du moment où il fait son mouvement. Alors, Jack Farrell fait A serré comme ça. Donc, normalement, il va quasiment pas bouger. Attends, il sait se mettre? Non, il sait pas se mettre. Sauf que non, attends. Son stress. Si, il sait se mettre. Ah, mais regarde son stress, ça, il va devoir manger. Il sait se mettre. C'est bon, ça. C'est bon, bon. Focus Evade. Oui. Focus Evade. Hop. Et Tico fait un sac demi-tour. C'est bon? Ouais. Et il va faire.
troisième stress. Non, devant toi. Et à faire focus, push de limite, target lock. C'est de l'acharnement, mais oui. Vas-y. Donc, Tico a porté homme et tapé 3D. Focus. Et moi j'ai rien, donc je. Boum. Le dégât est fait. Alors celui que j'étais convaincu qu'il n'avait pas d'arc de tir mais qu'il en a un. Enfin qui j'étais convaincu qu'il poke mais qu'il n'a pas poke. 3D et à 2D. C'est super. Target lock. Focus. Le target, pardon. Level. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui reste en poil? Beaucoup chez moi, peu chez toi. 50. Moi. Toi, c'est 50. Toi, tu m'as détruit 31, 34. Ouais. J'arrive pas à les jouer dans les IG. Donc, c'est 16 points. Et on sait comment la game se finissait avec un tour de plus. Ouais, il passe, il passait aussi. Ouais.